Après
Pourquoi faire un après, comment on prend la question? Vous savez qu'après, nous avons accédé à bien avant. Après, nous avons accédé. Voilà, donc, voilà, mais vous avez dit quoi? Déjà, pas de tout, mais après, il y a pas de trois. Votre honneur, avec une attention soutenue, nous venons de suivre la déposition du renseignement du jour et les éléments d'instruction du dossier en rapport avec Jacques Mouvabou. Nous avons une demande à formuler, tout en nous référant à votre pouvoir discrétionnaire tiré de l'article 249. Nous voudrions, à la demande du ministère public, ajouter la demande d'avoir à la descente, si elle sera accordée, la présence du général Djadjiga. C'est par rapport aux éléments que votre venu Jacques Mougabo vient de donner à la haute cour et par rapport aux éléments que le renseignement du jour vient de donner. Ces éléments-là, nous avons suffisamment de questions à poser pour que ça pourrait éclairer la cour par rapport à la vérité que nous sommes en train de rechercher et qui est en train d'éclater chaque jour que nous venons à une audience de votre haute cour. Oui, monsieur le Président, une question. Une question est prévenue au Gabon. Concernant, n'est-ce pas, leur déplacement jusque là où ils sont allés déposer le corps ou enterrer le corps de Bazana. Avant, en aller, tout comme au retour, y avait-il la présence de le régulier reconnu qu'il avait un poste de police, mais est-ce que dans ce poste-là, y avait-il des éléments de police militaire? La deuxième question, à quel moment ont-ils déposé Banza? C'est après avoir abandonné la Jeep de Chepey avec son corps à l'intérieur ou avant de déposer la Jeep? Question est à Liboso. Question à Liboso. Est-ce que Banza, donc votre comme nous tournons, nous avons qui après tant de
Bazana. Hein? Avant que petit accord a été ou bien après. C'est ça la question. Et concernant le poste, vous avez effectivement passé, vous avez passé un poste. Est-ce que vous avez dit poste, vous avez dit place dans le village Bazala? Oui, pour le fait. Il y avait des peines. Est-ce que c'est quand vous avez ma peine? Ils auraient qu'une de la moutoue, dans ma jeep, ils auraient qu'ils fumaient. La moutoue, c'est vrai qu'il y a tant de choses pour la terre, ce qui est fait mal. Mais poste pour Yannan, ils attendaient par les baboulages. Alors, monsieur le président, vous comprendrez qu'en réalité, parce que à la question concernant le contrôle des militaires qui sortiraient de Bakongo, le renseignement vous dit qu'il ne contrôlait que les véhicules de marchandises. Alors que dans les véhicules de marchandises, il se pouvait qu'il n'y ait pas de militaires. Donc, nous sommes en train de comprendre qu'en réalité, ces éléments étaient uniquement pour la surveillance des travaux de la concession de Kyanoumi et non le contrôle des militaires. Au vu de la déclaration, parce que, en suivant ce que Mugabe vous dit, il n'a pas vu, parce qu'il a dit à l'une des questions de votre cours, si les éléments peines étaient en tenue civile ou en tenue militaire, il vous a dit nous étions tantôt en tenue civile, tantôt en tenue militaire. C'est là qu'on regarde la version de Doudou, qui vous a dit que lorsqu'ils étaient entrés pour enterrer, il y avait un élément qui était en tenue civile et il y a un autre qui était en tenue militaire. Ce qui n'est pas différent de ce qu'il a dit. Et que ce poste, en réalité, c'était un poste de contrôle de routine de la police national en l'occurrence le PCR, et non le poste de contrôle des éléments, parce que c'est insensé que l'on contrôle seulement les éléments qui quittent Bakongo pour Kinshasa et non l'inverse, et qu'on ne contrôle que les véhicules avec marchandises et non pas les véhicules de particuliers, parce que dans les véhicules de particuliers, il peut aussi y avoir des militaires qui faisaient des rotations. Vous avez dit. Merci beaucoup, monsieur le président. Ce n'est pas tellement une question, mais plutôt une observation. Subsidiairement à la demande du ministère public que nous avons trouvé à nos yeux très pertinente en ce qui concerne la descente dans les deux sites ou parcelles du général Djomou, du général Jadidia, et la demande à laquelle les partis civils se joignent. Et sur observation aussi de mon confrère maître Élu, qui sollicite de la cour la présence du général Jadidia lors de cette descente-là. À cela, nous aimerions proposer aussi à la cour que lors de cette descente-là, que les renseignements du jour puissent aussi être là. Parce que la cour passera un avis avec nous à l'audience de Élu. Beaucoup de choses auraient été mises à la lumière, si on avait devant la barre et le général Jadidia confronté à ces renseignements. Nous aimerions qu'à cette descente-là, non seulement le général Jadidia, mais aussi les renseignements du jour puissent être là pour faciliter ce travail-là de manifestation de la société. Merci beaucoup, monsieur le président, pour nous avoir accordé la parole. Par rapport aux informations que le prévenu Jacques Mugabe vient de dévoiler, je n'ai pas entendu quelque part le prévenu nous préciser l'adresse de la parcelle de la maison du général John Lungi, puisque nous a dit qu'il habitait Goma chez John Lungi. Il aurait dû nous préciser la venue, le numéro, tel qu'il a fait à l'audience passée dans sa maison qui se trouvait à Lubumbashi. Ça serait très important, monsieur le président. Ça, c'est la première préoccupation. Et la deuxième préoccupation,
ça va tout droit à l'endroit du renseignement de ce jour. À l'audience de la fin dernière, le renseignement général Davida a déclaré haut et fort par devers vous que certaines de ces deux, l'une de ces deux parcelles, voulais-je dire, monsieur le président, avait fait l'objet d'une session. Est-ce que le renseignement de ce jour connaît la situation, l'état actuel de cette parcelle? Est-ce que c'est une question pertinente, la question de la descente, par rapport à la situation de ces parcelles, telle qu'est déclarée par le renseignant lui-même à l'audience de la fois dernière? Nous avons dit, monsieur le président. Monsieur le président, votre nom, nous voudrions rappeler à votre nom qu'à l'audience passée, une demande avait été formulée au renseignement général de Lidia pour prévenir et dossier l'acte de cession de l'une de ces parcelles. Et nous voudrions à ce jour savoir si cet acte a été versé au greffe. Comme nous changeons à l'union. Sinon, si ce n'est pas encore fait, que l'ordre nous soit donné pour que l'acte de cession puisse nous être parvenu parce que nous voulons bien l'exploiter pour en tirer les conséquences lors de notre plaidoirie. D'accord, maître. Ça sera fait. D'autres questions? Est-ce que l'ONU adresse à Jean-Dieu Nagoma? Et pour le vendre à qui? Où est-ce l'adresse? Était-il en train de procéder à cet enterrement
alors eux l'avaient aussi aidé à accomplir cette cérémonie-là. Et cela aurait pris combien de temps? Avant d'envisager une descente, il est nécessaire pour nous que nous puissions ré-auditionner le général Djadija, le Emira, Boudou, Colin Mukalai et le ci-devant enseignant. Et puis après, nous allons envisager la descente. C'est peut-être après cette audition que nous pourrons apprécier exactement si c'est de, je crois qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui et l'audience est renvoyée pour le mercredi prochain. Merci. Quelle date est précise? Quelle date? Mercredi le 3. Merci. Beaucoup mieux aussi. On va appeler le mercredi. Fidèles téléspectateurs, nous sommes à Barumbu, la commune de Barumbu, à la prison militaire de Ndolo. Venez de suivre là en direct la cinquième audience du procès Chebeya depuis la reprise de ces procès.
Ici, deux prévenus sont en train de comparaître. Il s'agit de Jacques Mugabo, et qui est en train de faire des révélations terribles et importantes pour faire avancer les procès. Et il y a Christian Kenga Kenga qui est sur place ici à la prison militaire de Ndolo, mais qui a refusé de comparaître. Et là, la cour va devoir tirer les conséquences de droit. Ainsi, c'est fini pour aujourd'hui. La séance, l'audience a été levée et la cour renvoie mercredi prochain pour réauditionner le témoin et renseignant. Nous nous retrouverons très prochainement, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, c'était l'audition du renseignant lieutenant Kateguere Castro. Au revoir. Nous jamais armées, soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire.